veille de Noël et ça y est, on s'arrête de travailler pour aujourd'hui. Donc en fait, en cette semaine de avant Noël, c'est les vacances de madame et donc on en profite pour faire des travaux. Donc cette fois-ci, c'est le tour de la cuisine. Et voilà, donc on a tout repeint, les murs, le plafond, sauf la partie du fond. Voilà. Et donc, bah, comme on vit dedans, on voyait qu'on n'a pas pu tout enlever et faire les travaux comme on voulait. Et on fait au fur et à mesure. Et donc là, aujourd'hui, c'était. Bon, on a passé la troisième couche de peinture et on a commencé à mettre le sol. Bon, c'est ça aussi, hein, l'autonomie. Enfin, la route vers l'autonomie. Savoir travailler dimanche, jour férié, jour de fête et tout. Dès qu'on a un peu de temps, on fait. Ici, une petite surprise. C'est que le vieil évier qui était, il y avait une bavette alu derrière qui était maçonnée dedans et qui du coup a enlevé le bas de la crédence. Ce qui est dommage, mais bon, on va remettre des plaques là, blanc brillant et puis voilà. Et là, je sais pas ce qu'on fera comme crédence, on va voir. Et on se retrouve pour un petit point sur la cuisine. Nous sommes le 27 décembre et on a presque fini, enfin presque fini, c'est relatif, mais. Donc voilà, l'évier est de nouveau fonctionnel. On a mis des pieds de 15 cm, parce que comme on est grand, on voulait avoir un plan de travail qui soit bien, et notamment atteindre le fond de l'évier de manière correcte. Donc là, vous voyez, j'ai l'évier qui est juste en dessous de la ceinture. C'est plutôt pas mal. Et le plan de travail, il va venir au-dessus, au niveau du haut de l'évier, là. Voilà. Alors celui-là, c'est un petit meuble de 80. Bien sûr, il va y avoir le plan de travail au-dessus. J'ai pas encore reçu les pieds de 15 cm. Et vous voyez que c'est le bordel parce que on tombe pile poil dans la prise. Donc on va y mettre une prise extra plate, enfin une rallonge. Et on va faire une découpe pour pouvoir l'encastrer. Et puis on va déporter la prise comme ça. Alors, on refait pas des trous et tout. On laisse tomber cette affaire-là. De l'autre côté, le sol. Bon, on voyait qu'on a peint rapidement et qu'on n'a pas tout protégé. J'ai raboté la porte qui est ici, qui devrait donc passer au-dessus des lames là. Par contre, celle-ci, il y a un mécanisme de descente d'un petit caoutchouc pour faire l'étanchéité. Donc pour raboter c'est plus compliqué et du coup il faudrait descendre la porte à l'atelier pour que je puisse la modifier, c'est-à-dire accentuer la rainure et remettre le mécanisme dedans. Du coup ici bah, il va falloir la modifier, or on peut pas rester comme ça jusqu'à cet été. Je peux pas non plus enlever la porte maintenant où il fait moins 3 dehors, c'est juste pas possible. Donc pour le moment on va s'avancer au plus proche là. Et comme les gonds, ici c'est pas une porte à soulever. Les gonds, en fait, c'est ici, il y en a de chaque côté, donc ça veut dire que je peux pas la monter. Et même si je pouvais, là-haut, je suis un peu bloqué, j'ai pas forcément la place. Donc ici, c'est des tiges là à enlever, ce qui veut dire que la porte, je devrais pouvoir l'enlever en basculer. D'ailleurs, je l'avais fait au début quand on est arrivé, puisque le verrou ne fonctionnait plus et la porte était fermée. Salut, salut. Bon, j'ai troqué le bonnet contre une casquette. Il fait un peu moins froid, mais bon, je viens de mettre le poêle en route. Là. On va attendre que ça chauffe et puis on va s'y mettre. Aujourd'hui, un tout petit projet. On est dimanche. Je vais juste faire un peu d'aménagement pour que madame puisse mettre ses pots. Bon, ok, c'est un peu misogyne, mais il n'empêche que moi, j'ai pas le droit de cuisiner. Alors, hein, c'est pas ma faute. Bon, non, c'est juste pour mettre les pots de stock, les grands pots parfaits où on peut, où elle a les riz, les pâtes, je sais pas quoi. Bref. Donc voilà. Donc du coup, elle m'a fait un petit plan. Alors attendez, on va pas chauffer tout le sous-sol. Bon, elle m'a fait un petit plan, donc on va le mettre en route. Et du coup, on va changer un peu et on va faire la finition avec ça.
Je ne sais pas ce que ça donne, mais la couleur merisier foncé correspond à la couleur du lambris à peu près. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, et puis on fait toujours ça dans les dalles de pin là, qui sont là derrière moi. Voilà, bon, c'est toujours pas de la super cam, mais j'ai pas la place ni forcément le budget d'acheter du massif pour le moment. Donc voilà, on va faire une première version avec ça et on verra bien le temps que ça dure. Nous disions donc, petit projet tout simple, un meuble de 80 cm de large, une profondeur non pas de 11 mais de 13, j'ai repris les cotes et 11 c'est un peu limite, donc on va lui mettre 2 cm de plus, 20 de haut entre chaque, et voilà. Voici, on va faire des assemblages lamello, comme bien souvent, mais je vais changer de méthode. D'habitude, j'utilise la plaque ici de réglage en me disant ouais, faut que je sois au milieu et tout, comme ça fait 18, que le trait ici il est à 10, ça fout le bordel. D'ailleurs, vous allez voir si je fais comme ça, que je la mets à plat devant, ici on n'est pas au milieu, mais on n'est pas loin. Donc en fait on va faire les usinages comme ça à plat, et c'est pour ça que j'ai fait une cale de 20 cm ici, si vous pouvez bien faire la pointe. Allez, voilà, j'ai fait une cale de 20 cm ici, comme ça au moins je peux venir la poser comme ça. Donc la première, bon, même si ce sera pas ça, mais la première planche que je vais faire, je vais venir faire le lamello pile à fleur avec la comme si je prenais une référence comme ça par exemple, voilà, et je viens poser la semelle de la lamelleuse sur ma planche verticale. Celle d'après, je mets ma planche en place ici, je viens mettre ma référence et je viens poser en fait ma semelle de lamelleuse sur ma planche de référence, tac 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 tac, et ainsi de suite, en vérifiant bien à chaque fois que je suis bien d'équerre. Voilà.
Bon voilà, j'ai fait un petit test avec le... Comment c'est déjà? Le merisier foncé là. À mon avis, ça va le faire pour en haut. Mais bon, on va quand même aller vérifier. Donc j'ai fait un test avant de colorer tout ça. Là, j'ai eu un petit arrachement. Donc j'ai collé, serré, histoire de le refaire. Vous voyez qu'ici, il y a une espèce de fissure. Bon, ça devrait pas jouer sur les efforts. Donc... On va laisser comme ça. Et voilà. Bon, allez, on va demander à madame ce qu'elle en pense. Bon, voilà ce que ça donne une fois sec. Donc là, on va juste y passer un petit coup de triple zéro, histoire de bien finir, essayer de polir un peu tout ça. Et voilà. Alors par contre, avec ce genre de finition, ce qui se passe, c'est que toutes les micro-rayures de ponçage, elles ressortent. Et ça, franchement, je m'y attendais pas. Du coup, sur du pain. C'est franchement galère parce que c'est tellement mou que vous voyez qu'en fait ça c'est pas la ponceuse, c'est moi quand j'ai essayé d'enlever les traces de colle. C'est tellement mou que ça fait des traces. Sur du bois un peu plus dur, à mon avis, on n'a pas ce genre de problème. Et voilà, un meuble de plus fini. Vous voyez que la couleur ça correspond à peu près. Le meuble est droit, c'est la porte qui est de biais. De l'autre côté, on est parallèle au coin du mur. Voilà, encore un petit projet validé. Bon, j'arrive pas à prendre beaucoup plus de recul que ça. Vous voyez que la cuisine est presque terminée. Ici, un bel îlot central avec des tiroirs. De l'autre côté, il y a des portes. J'ai fait monter l'électricité sur l'îlot central. Je vais vous montrer. J'ai refait des plinthes fait maison. Qu'il a fallu adapter puisque comme j'ai changé les pieds, c'est pas des plinthes classiques. Ici donc l'électricité, tac, ça marche comme ça. Évidemment ça passe par le sous-sol. La nouvelle cuisinière à bois de Manincor qu'on a fait poser par notre installateur comme pour le poêle. On a laissé une cuisinière à gaz à côté. Bon, il manque une plinthe en bas et vous voyez que j'ai été obligé de la rehausser parce que sinon ça chauffait le meuble de cuisine qui était là-bas. Et ça, c'était vraiment pas terrible, voire dangereux. Voilà. Et toujours le petit marchepied des enfants. Le timbre d'office, franchement, c'est au top comme évier. Ça permet de faire la vaisselle en hauteur à droite, ça coule quand même dans l'évier. Franchement, nickel, on se casse moins le dos. Ici, vous voyez les plans de travail, j'ai fait un joint avec le guide de défonceuse. Bon, ça se voit un tout petit peu. Ça a été la galère, hein. Franchement, à mon avis, faut que je fasse encore un peu d'expérience dessus. Parce que ici, j'ai un petit écart d'un millimètre qui est assez désagréable, en tout cas pour celui qui fabrique. Donc ici j'ai fait dépasser de la porte, bon, pas des. J'aurais dû faire dépasser de la poignée, la norme c'est ça. Et là vous voyez que en fait j'ai eu peur qu'on passe pas entre les deux, qu'on n'ait pas suffisamment de place. Du coup ben, j'ai rogné sur le plan de travail et j'aurais pas dû. Voilà. Donc si vous vous retrouvez dans la même situation, faites pas forcément la même bêtise. Allez bien jusqu'à être au-dessus des poignées.
Voilà. On a conservé le banc, la table et certaines chaises au fond. Bon, vous voyez que là, il y avait un radiateur, il faut que je fasse la finition. Et il faut que je remette les plinthes aussi. Voilà. Et on va faire un meuble là pour ranger tout ça et y caser les poubelles. Ici, le bac pour les poules qui est toujours à disposition. Et un petit rack à bois qui nous permet de rouler jusqu'à l'arrivée du sous-sol pour charger les bûches directement et se faire une petite réserve. Le meuble que vous venez de voir. Bon, évidemment, j'ai toujours pas fait le sol, hein, la sortie, la porte, etc. Ça reste des finitions à faire. Bon, les beaux jours reviennent. On va pouvoir commencer à aller voir ce qui se passe dehors.